Quelle est la fraction située à égale distance de 3 quarts et de 7 huitièmes? Nous cherchons donc la fraction milieu de ces deux fractions-là. Par conséquent, nous calculons la moyenne arithmétique de ces deux fractions, c'est-à-dire nous les additionnons et nous divisons cette somme par 2. Pour additionner ces deux fractions, on les réduit au même dénominateur qui est 8. Donc nous obtenons ainsi 6 huitièmes plus 7 huitièmes, ce qui fait 13 huitièmes. Et pour diviser 13 huitièmes par 2 unités, on multiplie 13 huitièmes par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire par 1 demi. Et 13 huitièmes fois 1 demi, ça donne 13 seizièmes. Donc c'est le D, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une question suivante de l'Olympiade mathématique.